Quand votre tête est représentée sur un ballon et dans un mouvement qui mime une forme de décapitation, et quand vous traitez d'assassin, c'est forcément dire que ça ne touche pas, que ça ne blesse pas, ça serait faux. Parce que nous sommes tous des hommes, des femmes, et c'est normal que ça touche. D'ailleurs, c'est fait pour ça, je pense. Mais ce n'est pas ma personne qui compte. Ça aurait été la tête d'un autre ministre, d'un parlementaire. Ça aurait été un autre que moi, qui subit les mêmes qualificatifs, les mêmes injures. J'aurais eu la même réaction. Je trouve ça surtout consternant pour les auteurs, pas au niveau du débat démocratique, assez révélateur aussi, d'une forme de violence, de radicalisation de la violence dans le discours. Et donc, ce qui compte pour moi, c'est que la réforme puisse suivre son cours. Ce qui compte beaucoup, c'est que cette réforme, je la porte avec la Première ministre, avec le Président. Je sais leur confiance, et je la porte avec le soutien de toute la majorité.